Shalom, shalom, soyez bénis. Alors, je suis le prophète Joël Cressot. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Voilà, connectez-vous. Si vous venez juste me prendre en ligne, connectez-vous. J'ai franchement une information détaillée à vous partager. Alors, j'attends que vous vous connectez. Connectez-vous rapidement. J'ai une information détaillée à partager. C'est vraiment urgent. Alors, partagez ce direct parce que c'est important. Voilà, partagez ce direct. Shalom à vous. J'ai une information de taille à vous partager. Voilà, une information de taille à vous partager. Voilà, connectez-vous. Voilà, connectez-vous s'il vous plaît. Connectez-vous s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'information... Il y a des personnes mal intentionnées, voilà, il y a des personnes mal intentionnées qui, depuis un moment, utilisent mon compte, n'est-ce pas, pour anarquer des personnes, voilà, qui anarquent des personnes, et tout ça. Donc, je vais faire ce direct-là pour vous informer que j'ai un service de communication, voilà, j'ai un secrétariat, nous sommes vraiment des personnes bien organisées, nous avons un secrétariat à Divo. Nous avons aussi un secrétariat au niveau de la France. Donc, une personne qui va vous appeler pour vous dire il faut que vous envoyez de l'argent, n'est-ce pas? Parce que le prophète Cressot a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Voilà, cardiaque. Voilà, il m'a envoyé les testos. Voilà, il y a Fabrice qui m'a envoyé. Il m'a envoyé Shalom. Vous voyez, des personnes qui piratent notre compte, mon compte Facebook. Ils ont piraté mon compte Facebook. Ils ont commencé à envoyer, des messages, à des personnes pour leur soutirer de l'argent. Franchement, Dieu seul va vous juger. Parce que c'est méchant. Voilà, c'est vraiment très méchant. Depuis un moment, je suis victime de cette méchanceté. Voilà, je suis victime de cette méchanceté. Nous avons un ministère bien organisé, structuré. Nous ne sommes pas sur Facebook pour anarquer les gens. Nous avons un centre de prière et de délivrance à Divo. Voilà, un centre de prière et de délivrance à Divo. Nous avons aussi, un programme ici, une église ici. Nous sommes très bien structurés. Voilà, nous sommes bien structurés et il y a des arnaques, il y a des personnes qui piratent mon compte Facebook, qui ont piraté mon compte Facebook et sont en train d'envoyer des messages, ok? Des messages aux gens, n'est-ce pas? Des messages aux gens, voilà. Et il met même son numéro, alors ok, je vais faire pour moi l'urgence, voilà. Donc il envoie, il dit aux gens de faire un Saint Lignon, voilà, et le nom de cette personne c'est Abby, prénom Jean-Jacques. Donc il faut qu'on lui fasse ça. Et la personne serait peut-être à Yamoussoukro, pays Côte d'Ivoire, ville Yamoussoukro. Bon, vous comprenez? Pays, ville Yamoussoukro. Voilà, donc, faites attention. Si vous voyez quelqu'un, voilà. Nous avons notre localité, c'est-à-dire là, le ministère se trouve à Divo. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Nous ne sommes pas des gens qui vivent dans la clandestinité. Nous sommes vraiment dans la transparence. Nous travaillons au service de Dieu. Et malheureusement, chaque fois, c'est les mêmes choses des gens. Faites attention, nous c'est Divo, vous comprenez? Nous ne sommes pas sur Facebook pour anarquer une personne, nous ne pouvons pas venir sur Facebook pour venir anarquer des gens. Voilà, parce que nous avons aussi, n'est-ce pas, un service de communication. Et tout ce qui ne vient pas, franchement, pour ceux qui savent déjà, ils savent, ils sont convaincus que ce message ne vient pas de moi. Voilà, immédiatement ils m'ont répondu parce qu'ils savent, comme je communique. Voilà, nous avons, n'est-ce pas, une communication. On ne peut pas venir balancer des messages aux gens. N'est-ce pas, pour leur demander de l'argent sur Facebook et tout ça. Voilà, et voilà, faites très attention. Donc, je faisais justement ce message pour vous dire, faites très attention. Les anarchistes sont là, n'est-ce pas? Ils utilisent, n'est-ce pas, notre identité, malheureusement. Voilà, nous ne sommes pas sur Facebook, là, pour nous amuser. Nous sommes sur Facebook pour servir Dieu. Et malheureusement, il y a des enfants sataniques et démoniaques. Il y a des fils du diable qui sont aussi là, aussi, en train de faire autre chose. Juste, n'est-ce pas, salir. N'est-ce pas? Notre image. Vous comprenez? Salut notre image.
comment venir, n'est-ce pas, sur Facebook, arnaquer les gens, leur donner des messages de. Alors, on aimerait que. Voilà, donc c'est un peu ça. Faites très attention. Faites très attention. Tout message qui vient, si on vous demande de l'argent au nom du prophète Crasso, refusez ça carrément. Parce que moi, je ne demande pas de l'argent, je ne veux même pas. Même pour la fondation, jamais on demande de l'argent aux gens. On ne demande pas de l'argent aux gens. On n'est pas sur Facebook pour venir demander de l'argent. Donc, si mon compte a été piraté et des individus mal intentionnés, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, c'est là-bas. Mal intentionnés sont en train de demander de l'argent juste pour salir notre image. Bon, c'est un combat dans lequel nous sommes il y a longtemps parce que les gens, ils veulent. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Malheureusement, faites attention, soyez vigilants. Voilà, soyez vigilants. Nous ne sommes pas sur Facebook pour venir faire quoi que ce soit. Facebook est pour nous un moyen de communication, donc un moyen pour annoncer l'évangile et faire avancer le royaume de Dieu. Nous ne venons pas sur Facebook. Ce n'est pas un endroit même où il faut demander de l'argent. Voilà, faut demander de l'argent. Donc les gens, ils savent, ceux qui savent très bien comment nous fonctionnons, et les gens, ils savent très bien que le prophète Crasso ne se mettra pas sur Facebook. Il n'envoyera pas des messages. Il y a Ibris qui a été. Heureusement, mon fils Brice des États-Unis qui m'a envoyé, n'est-ce pas, un message. J'étais en train de me reposer. Il m'a envoyé un message. Voilà. Nous sommes à Divo. Et du coup, la personne est au 00225 53 57 30 07. Voilà, je reprends 00225 53 57 50 07. Et c'est un fameux. Non, Abby, ça dit qu'il doit lui faire un Western Union, mais franchement, c'est la puce sorcellerie. Vous voyez, comment vous pouvez prendre mon compte Facebook et puis aller demander de l'argent aux gens? Et encore, la personne dit à mon fils spirituel, voilà, nom Abby et prénom Jean-Jacques. Et il dit, pays Côte d'Ivoire, vie Yamoussoukro. Bon, nous ne nous trouvons pas Yamoussoukro. Nous, nous sommes à Divo, vous comprenez? Et donc, lui, il a usé de vigilance, il a dit non, non, non. Parce qu'il a mon compte, il a mon WhatsApp. Normalement, c'est pas comme ça que je communique. Voilà, c'est pas comme ça. Donc, du coup, il a dit non, il m'a envoyé pour dire fais attention, papa, ton compte a été piraté. Voilà, il m'a dit. Et c'est lui qui a il dit ton compte a été piraté. Ton compte a été piraté et tout ça. Et on a vérifié, effectivement, le compte est piraté. Donc, on a essayé de vous informer. Faites très attention. Jamais je ne viendrai sur Facebook pour demander quoi que ce soit aux gens. Facebook n'est pas pour nous un moyen de venir chercher de l'argent, mais Facebook est pour nous un moyen de communiquer et de partager l'évangile. Voilà, c'est un moyen de communication. Comme Paul pouvait dire à Timothée, en toute occasion favorable ou pas, prêcher l'évangile, pour nous, c'est un moyen pour nous de propager l'évangile du Seigneur. Donc faites attention aux arnaqueurs, faites attention. Si une personne vous envoie, n'est-ce pas, déjà, un message pour dire. Le prophète Crasso, parce que c'est ça, c'est l'image que les gens veulent présenter, juste, mais Sali, Sali, voilà. Frère, vous ne pourrez pas parce que nous nous servons Dieu, voilà, nous servons Dieu. Et puis les actes que vous posez, voilà, les actes que vous posez en tant que méchant personne, sorcier, anarcheur, vous allez les payer, voilà, vous allez payer ça. Donc, vigilance, soyez très vigilants, et voilà, soyez très vigilants. Voilà, soyez très vigilants. Soyez très vigilants parce qu'ils ont commencé à envoyer des. Heureusement, Brice, merci, mon fils Brice des États-Unis, il m'a envoyé ça immédiatement. On l'amène et tout. Il dit non, 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 il ne peut pas laisser ça parce qu'il faut qu'il m'avertisse. Tac, il m'envoie. Et la personne se trouve, n'est-ce pas, à Yamoussoukro. Un numéro 00 57 53 53 57 50 07. Voilà. Et le nom sur lequel il devait faire le transfert d'argent, c'était le nom, il a envoyé, il a dit Abby, n'est-ce pas, Abby, prénom Jean-Jacques. Voilà, Abby, prénom Jean-Jacques. Ouais, Brice, merci. Merci de m'avoir informé. Voilà, donc faites attention. Voilà, faites attention. Nous autres, nous ne venons pas sur Facebook pour venir arnaquer. Nous sommes très structurés. Je reprends très structurés. De telle sorte qu'il y a la traçabilité dans tout. Voilà, il y a un service de communication, il y a un secrétariat, on a tout, on a une comptabilité, on a tout. Donc, tout ce qui n'est pas de nous immédiatement identifié. Voilà, on le sait tout de suite. Quelque chose qui ne vient pas de nous, on le sait tout de suite. Et d'ailleurs, même dans le ministère, je ne suis pas le genre qui prend de l'argent.
Il y a le comptable qui gère l'argent. Et puis, on ne vient pas sur Facebook pour demander l'argent. Moi-même, ce n'est pas mon nom qui est sur... Parce que j'ai un comptable, j'ai un gestionnaire du centre qui est vraiment payé et qui gère, je vous précise très bien, qui gère les activités. Qui gère les activités du centre, tranquillement. Donc, les noms sont, les choses sont faites ensemble. Et puis, d'ailleurs, on ne vient pas sur Facebook pour demander de l'argent. Non, Facebook est pour nous un moyen de partager l'évangile, d'apporter l'évangile. Je tenais à vous dire, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui ont été victimes, voilà, qui nous ont déjà signalé, faites très attention, il y a des anarcheurs, mais tout compte fait, c'est un vol. L'anarche, c'est du vol. Et puis aussi, prends l'image, vouloir salir l'image d'un homme que je suis, un homme de Dieu que je suis, donc je remets ma chose entre la main du Seigneur, vous payerez ça. Voilà, donc faites très attention. Voilà, je vous salue, merci pour votre vigilance, merci pour ceux qui ont déjà signalé la chose. Ils ont compris immédiatement que non, le prophète ne communique pas de la sorte. Ce n'est pas comme ça que le prophète communique, sa base est divo. Il ne peut pas vous dire d'envoyer un Western Union, n'est-ce pas, directement à Yam Sokro, sur le nom de Abi, prénom Jean-Jacques. Nous ne connaissons pas cette personne. Cette personne ne figure même pas dans la liste de ceux que nous employons au sein du ministère. Voilà déjà. Et puis le numéro 00225-53-57-50-07, c'est un numéro inconnu. Nous ne maîtrisons pas ce genre de numéro. Alors, vigilance, faisait très attention. Voilà. Nous avons aussi un numéro. Voilà. Nous avons aussi un numéro ici en France. Voilà. Donc, je vous donne déjà signalé. Alors, signalez déjà. Appelez déjà 0 pour ceux qui sont à l'étranger. 00225-47-07-23-28. Je reprends. 00225-47-07-23-28. Si quelqu'un venait évidemment vous demander quelque chose en mon nom, appelez déjà et cherchez à signaler cette personne. Ou vous m'envoyez un message immédiatement sur le 00-337-55-30-87-48. Je reprends. 00-337-55-30-87-48. Je reprends. 00-337-55-30-87-48. Vous m'envoyez immédiatement. Voilà. Voilà, faites les calculs d'écran et tout ça. Voilà, donc je tenais juste à faire cette vidéo pour vous dire déjà que, attention, il y a des arnaqueurs, n'est-ce pas, qui ont piraté mon compte Facebook et qui sont en train de vouloir faire du n'importe quoi. Mais heureusement qu'on a des gens, voilà, qui savent comment nous communiquons. Ils savent très bien que nous sommes très bien structurés. Parce que c'est ça, c'est de salir notre image. Parce que c'est le combat dans lequel nous sommes depuis. Parce qu'il y a des gens, pour eux, il ne faut plus que ce ministère existe. Pour eux, il ne faut plus que ce ministère existe. Donc, il faut user de toutes sortes de choses pour salir notre image, pour nous détruire. Mais heureusement que Dieu est Dieu, toutefois, qu'ils mettent leur stratégie. Parce que c'est ça, nous sommes dans ce combat-là. Voilà, dans ce combat. Mais heureusement que chaque fois, mais très attention, jamais. Une personne qui vous demande de l'argent sur Facebook, faites attention, ça ne vient pas de nous. Parce que nous autres, nous ne venons pas sur Facebook pour demander de l'argent. Vigilance, vigilance, shalom à vous, que Dieu bénisse. Excellent mois de décembre.